Et bien bon, nous dérapons, nous disons gros bonjour tout le monde. Quand vous côté obtenu des noix, quand vous avez regardé nous en tout, moi c'est Jean-Aubert Fidi, je salue nous depuis l'État Maryland. Je dis à m'a pas dans la CAI là, donc m'a dans la base là-bas d'Amérique là, nous après je dis à la CAI. C'est parmi les privilèges que je cherche à faire nous, que nous sommes capables de faire la CAI un jour. Juste nous étions avec la famille et puis manger plus la CAI, et l'autre la CAI, manger plus. Eh bien, bon, c'est une grande préoccupation qui s'est dominée l'actualité. C'est surtout ce qui a passé dans le Moyen-Orient. C'est le conflit israélo-Hamas. Eh bien, jeudi, le conflit s'est entré dans le quatrième et dernier jour. Dernier jour, c'est le feu qui était joint que les États-Unis, l'Égypte, avec Qatar, te joint entre belligérants pour te faire pause, pour te faire camper, pour te permettre de libérer son otage. À date, effectivement, près de, d'après les Nations Unies, il y a 39 otages et qui libérés. Parmi eux, il y a des Israéliens avec des étrangers. Il y a 9 étrangers, il y a 39 Israéliens, il y a 117 Palestiniens qui ont une libération. Mais il y a des militants qui n'ont pas écarté possibilité pour prolonger cette trêve-là. Pour autant. Mais tout et premier ministre israélien Benjamin Netanyahu lui-même tout lui dit que Israël le gouvernement lien t'a accueilli une extension ou une prolongation et trêve là t'a prolongé à condition que quitte à gagner là-dedans pour que Hamas a libéré 10 otages chaque jour. Donc dans le premier règlement Israël a dit que pour chaque jour que même t'a font trêve faut que Hamas a libéré 10 otages. Donc c'est sûr que c'est 3 pour 1, c'est comme ça et Hamas lui-même dit. Et bien 3 pour 1, ça veut dire que chaque fois que Israël t'a libéré, ou bien encore Hamas a libéré 10 otages, ça veut dire que Israël lui-même t'a libéré 30 prisonniers palestiniens. C'est comme ça bah, là, et, mais en tout cas, on a dit que Israël et États-Unis, ensemble avec Qatar, avec l'Égypte, 3 pays qui sont en travail dans la négociation, et bien ils ont dit que ils même travaillé sérieusement pour les États-Unis, ils ont extension. Pour trêve là ça est que pour guerre l'attaque du campé mais il n'a pas tiré il n'a discuté avec l'autre il a reproché l'autre là Hamas ou Israël Hamas dit Israël pas fait tout ça qui était gagné dans entente était jeune dans tout comme Israël tout dit Hamas pas fait tout ça qui était dit tout ça qui était dit qui était fait par exemple et Hamas accusé Israël comme quoi il quittait il pas quitté assez de camions et aide humanitaire rentrer dans le territoire Gaza à partir de Égypte. Donc c'est la nouvelle. Dans l'autre nouvelle, il y a la Chine, Corée du Sud avec le Japon. Eh bien, en fait, les ministres avec les trois pays ça a été réunis hier. Bien, dans le contenu, ils ont une entente pour que ils commencent à consacrer les sortes de coopération qui gagne entre eux. En plus de coopération, ça a pu entre eux, mais tout pour recommencer sommet entre les deux trois pays, ça qui contrôlait 25% et produit national brouillard. Produit national brouillard, donc, et, mais par contre, date qui est fixée sous ça, non, mais trois pays, il y a toujours des problèmes qui posaient. Chaque fois, il y a une sorte de coopération, ou bien pour renforcer la coopération entre les pays, ça, il y a des problèmes, il y a des obstacles qui présentaient. Tant que l'agression japonaise fait contre les pays, ça, pendant la période, pendant la guerre, et puis tout, et tactique, ou bien encore, et entente stratégique entre États-Unis, commerciale, bien entendu. Entre États-Unis avec la Chine. Donc, bah, ça a toujours un obstacle pour eux. Donc, c'est ça qui fait que, bah, mais de toute façon, l'idée de trois pays, ça a eu possibilité pour eux rencontrer, sommet pour qu'on fixe une date. Mais au moins, ils sont d'accord pour que, bah, ils recommencent encore. Il y a un autre grand point qui s'est fait devenir actualité à nous parler surtout. Et Nabdou, par exemple, président Kenya, et il était devant le Parlement européen. Eh bien, le Conseil pays d'Haïti, il croit qu'il était. Il y a une nécessité pour gagner 5000 policiers pour aller déposer coller avec la police nationale pour aider à combattre l'insécurité. Et alors, ça sont l'autre encore parce qu'il demandait pour que l'Europe pote coller tout, bien l'Union Européenne pote coller tout, non, aider à résoudre la crise, crise pays d'Haïti à traverser, surtout à faire gang ça, etc. Donc, il demandait un support. C'est vrai qu'il demandait pour poser des conditions tout avant ça a été fait. Par exemple, il demandait à ce que tu gagnes un COP qui peut être avant même déploiement force. Ça va se et la résolution des Nations Unies n'a pas dit que c'est Kenya qui prend tête force multinationale ça mais il dit c'est un pays
Mais étant donné que Kenya, c'est lui qui est en position pour le prendre tête force présidentielle nationale, là, de ça, il y a un pile barré qui a discuté sur question si là. En tout cas, c'est là, nous, pour qu'on y est là, et puis, il y a un dossier CARICOM, non, nous rappelons que CARICOM remet, par parti conseil dans le pays d'Haïti, qui est en discussion, y compris opposition avec le gouvernement, avec le gros document, mais pour étudier. Sous possibilité que sur un point que lui présenter sur qui ça le présente qui en le carré que crise a résoudre et qui pourrait résoudre par exemple il proposait et à ce temps et un conseil de transition qui t'a gagné 7 membres là-dedans mais Gélé CARICOM dit que lui-même l'État va prendre gestion activité on met un peu de discuter l'autre partie conseil nous dit que il faut que premier ministre Henry t'a démissionné il pas t'a de faire partie problème et bien faire partie solution donc mais pour gain gros bail qui dit et puis jeudi à t'a de gain t'a de c'est à commencement on sait de gros personnalités qui étaient membres dans gouvernement membres ou bien encore supporter président Jovenel Moïse qui t'a de commencer présenter dans tribunal pour y aller répondre question puis a dit qui ça a été connu sous assassinat et défunt président et puis n'a dit que et puis on Haïti a fond face gon l'autre nouvelle qui pas connu là dit problème économique qui gagne dans pays a programme et visa qui gagne pays qui pour monde qui pour aller à l'étranger surtout qui participe dans programme Biden là et bien bah ça a gon effet négatif sur le système éducatif en Haïti, surtout sur l'école supérieure, qui semblait et pas un client, pas un monde qui vient de l'école, et puis professeurs qui étaient là, qui ont les jeunes visas qui ont participé dans le programme, donc bah, ça pose un problème. En fait, je demandé, et l'école qui est en fait, l'éducation supérieure, qui est la babi déjà parce que pas d'inscription, ou bien si l'inscription n'est pas assez, et vous prétendez que le propriétaire de l'école ça a une dette. Et qui peut être comme la banque, pour payer, pour capable et fonctionner. Qu'on y a là, si par les professeurs pour faire classe et tout, parce que les professeurs et tout, et qui pas à toucher tout, parce que l'école ne va pas payer et tout. Et donc, professeurs qui les chercher d'autres moyens, ils jeter. Donc, ça crée un série de problèmes qui permettent, on soulève un série de questions qu'a posé qu'on y a là. Et puis, programme éducatif, programme et les programmes Biden, non? Donc, les programmes. Et gouvernement américain continue à encourager Haïtiens, Cubains, Vénézuéliens avec les Nicaraguayens pour utiliser les moyens légaux pour être capable d'entrer aux États-Unis. Il va bien passer par Paraguay encore pour faire tout ça, passer dans Colombie, Brésil, etc. Pour sortir du Chili, pour passer dans Colombie, dans tout pays d'Amérique latine, rentrer au Mexique pour lui demander l'asile foncier. Il dit non. Utiliser d'autres moyens, chercher un sponsor, chercher un patron. Pour entrer aux États-Unis, pour venir aux États-Unis et venir participer dans un programme ça qui peut être dans le pays pendant 2 ans. Et puis, il y a tout immigrant qui a plusieurs moyens, en plus de Mexique, côté immigrant passé, pour entrer aux États-Unis. Et bien, autorités américaines ont découvert tout que grand pile immigrant tout qui passait à travers le Canada, par exemple, qui ont moyen d'entrer au Canada, surtout d'entrer au Canada et du Canada étant cherché à entrer aux États-Unis, viennent demander asile, ça c'est les frontières nord là. Ça sont l'autre tendance encore que l'autorité canadienne, l'autorité canadienne peut voir qui mesure qu'à contrôler, contrôler. Donc ça veut dire États-Unis prend un oito vers le sud avec le Mexique et qu'on y a avec Canada, il prend là. Canada tout bon programme tout, lui-même tout le que mettez sous pied, côté d'accord pour l'accepter 15 000 immigrants, un programme très restreint qui vraiment conditions beaucoup plus sévères. Que les États-Unis et ils ont déjà dit, le gouvernement canadien a fait qu'on ait 4 000 personnes qui sont déjà à la CAIDE à 15 000 ans, donc il y a place pour 11 000, mais tout faut qu'on ait dans le pays, il faut qu'on ait dans le pays, il faut qu'on ait un résident lié, il faut qu'il soit un citoyen canadien, il faut qu'il ne soit pas demandé à aucun programme d'assistance sociale pour le travail, à moins que mon handicapé, et puis il faut et bénéficier à lui-même, lui d'accord pour vivre en dehors du Québec. Ça veut dire que pour ne pas vivre au Québec, parce que Québec pas d'accord pour lui participer dans le programme humanitaire gouvernement canadien, gouvernement fédéral, là, et lancé depuis et, ça, pratiquement 2 semaines. Et puis je dis à tous, il y a un autre monde, c'était Stéphanie Mondestin, c'était assistant directeur dans l'ONA.
Eh bien, jeudi passé, l'État pral République Dominicaine, alors, il était dans la cité tout dans le scandale corruption. Eh bien, l'État pral République Dominicaine, mais avec un ticket d'avion qui t'a pral République de pour retourner le 26, alors que l'État a un rendez-vous dans, avec un paquet pour deviner une bonne question lundi 27 là. Mais l'État parti pour le 26, ça ticket a été dit, mais en plus, l'État a été en interdiction. Yon décision de justice qui était demandé qui était metté en intention de départ pour lui, mais la police à l'aéroport a arrêté lui, yo et les juges de paix et les commissaires gouvernement ils viennent prendre. Donc yo pense que c'est sauvé le tap sauvé pour pas venir pour une question ici jeudi à dans tout cas était voyé là dans dépôt et en Sandrelé était en garde à vue. Et jeudi à assistante directrice et Lona Stéphanie Mondessin et ben l'état de parler devant le juge là pour venir répondre question sur qui s'accuse il connaît de sujet ça. Alors ça a été passé jeudi 23 et puis sélection nationale de football féminin haïtien a préparé là pour jouer un match crucial, un match très important, ce match en déplacement. Je vois jouer la CAI Costa Rica. Haïti gagne un avantage goal différence par rapport à Costa Rica. Mais Haïti était calé Costa Rica dans match aller à 1-0 match à jouer en République Dominicaine et match retour là l'a joué dans la CAI Costa Rica. Donc Haïti besoin un nul ou une victoire pour qualifier pour première édition Coupe de CONCACAF là. Et puis gagner tout et Italie mes amis, Italie calé la Serbie pour l'emporter édition Coupe Davis là. Donc voilà mes amis, c'est ça me dégage pour nous pour actualité A, principal programme de venir actualité A, jeudi à lundi. Nous souhaitons une bonne semaine en compagnie de la Voix de l'Amérique. Visitez toutes les plateformes nous et pour connaître tout ce qui a passé dans le monde. Jeudi à moi, je n'ai pas une suite de ce qui a passé en Israël. Et puis il y a tout correspondant à New York, tout le monde va aller au Saint-Louis dans New York. Fred dans congé jeudi à chef service à Sandra Le Maire en congé. Et c'est François Michel en congé, donc vous imaginez. Donc on monte très bien, mais gentil Augustin nous dit bon retour. Monsieur était pas là, il était empêché, et bien qu'on a monsieur rétabli lui, donc lui retourne. Il n'est pas confiné en forme, non, mais lui, là, dans le cas là, quand même, c'est déjà un soulagement, pas seulement pour moi, mais un soulagement tout, encore pour Jacqueline. Je dis tout le monde passe une bonne semaine, et puis n'a pas encore. Donc, il fait un peu de frédit là, nous, quand même, on m'a tremblé là, mais. Comme moi, je vais vous avec nous, je ne vais pas rater, je vais vous. Passez bonne journée, bon après-midi, à plus tard.